Mr. Kianuri, how many candidates is the Today Party fielding in these elections? Nous avons nommé quelques dizaines de candidats, à peu près 70, dans les divers villes de l'Iran. À Téhéran, nous avons nommé 17 candidats. Ce sont les membres du comité central, membres du présidium de notre parti et des ouvriers, des activistes de notre parti. Et nous allons conclure dans la liste de nos candidats 13 ou un peu plus, on va voir, des candidats démocrates révolutionnaires des autres groupements politiques dont leur programme est proche de notre programme. Avant les votes, nous avons proposé de faire un front entre les divers groupements de gauche et les divers groupements révolutionnaires anti-impérialistes, mais malheureusement notre proposition n'a pas été acceptée par les autres groupements et nous allons unilatéralement faire une liste de candidats différents populaires comme nous avons notre idée. How well do you expect to do in these elections? Vous savez que la loi électorale n'est pas si simple pour les candidats des groupements minoritaires dans le pays. Parce que à Téhéran, le candidat a besoin de plus d'un million de votes, de voteurs pour être élu. Si nous comptons que 2 millions de gens à Téhéran prendront part aux élections. Nous avons protesté contre cette loi qui n'est pas démocratique. Et nous ne sommes pas seuls. Beaucoup des groupements politiques, beaucoup des personnalités politiques ont protesté contre cette loi majoritaire. Mais le Conseil révolutionnaire de révolution n'a pas accepté ces protestes. Et suivant ces lois, c'est très difficile pour les groupements minoritaires politiques en Iran de faire entrer leurs candidats aux chambres, au Parlement. Mais nous usons cette lutte des élections pour faire propager nos propositions, nos idées et le programme du parti. Et c'est un combat politique pour nous comme un autre combat. Are you in favor of a two-stage or a one-stage election system? Do you favor a two-stage or a one-stage election system? Nous avons proposé un système d'une étape, nos systèmes proportionnels, que chaque parti politique ou des personnalités, qu'il ramasse tous les voix qu'il peut ramasser dans tout le pays, et suivant les proportions qu'ils ont dans les élections, ils puissent avoir des candidats sur la liste qu'ils proposent en avant. C'est le système qui est un allemand fédéral, le système qui est plus... Do you think that the events in Afghanistan will affect your party's standing in the elections? C'est possible que notre soutien pour le gouvernement révolutionnaire afghan jouera un rôle négatif sur les élections pour notre parti. Mais nous ne sommes pas un parti qui est dans le cas de ne pas dire son avis sur les questions mondiales très importantes politiques pour ramasser quelques voix plus ou moins. Nous pensons que la question afghane, c'est une question très importante pour la révolution iranienne, que le renforcement du gouvernement révolutionnaire d'Afghanistan,
c'est un renforcement pour la révolution iranienne et que les combattants qui les groupements de, qui sous le nom de l'islam, sous le drapeau de l'islam, mais avec le soutien des Américains, des Anglais, des Chinois et des Pakistanais, combattent maintenant le gouvernement islamique et le gouvernement révolutionnaire d'Afghanistan, ils sont très dangereux pour la révolution iranienne. Un changement fondamental au profit des groupements qui combattent maintenant le gouvernement afghan jouera un rôle néfaste pour la révolution iranienne. Nous aurons un autre Saoudi arabique ou un autre Pakistan, un Afghanistan, c'est l'élargissement du front anti-révolutionnaire autour de l'Iran. C'est pour cela que nous avons soutenu le gouvernement révolutionnaire afghan et c'est très important pour notre révolution. Do you think the issue of the hostages in the American embassy is going to become a major issue in these elections or not? Je ne crois pas que la question des otages à l'ambassade américaine en Iran, au centre de, d'espionnage américain en Iran, c'est une question fondamentale dans les relations irano-américaines. C'est dans un rapport bien direct avec la question de Shah et les biens et les fortunes qu'il a volées de l'Iran. Je crois que seulement Do you think that the question of the hostages in the American embassy in Tehran is going to become a major issue during this election campaign? Je ne crois pas que la question des otages à l'ambassade américaine, ou plutôt dire centre d'espionnage américain de Téhéran, puisse avoir une relation avec les élections de l'Iran. C'est une question tout à fait à part. C'est une question des rapports entre l'Iran et les États-Unis. Et c'est une question qui est en rapport avec le Shah et les biens et les fortunes qu'il a volées de l'Iran. Je crois que les otages seront libérés quand les États-Unis seront d'accord de rendre le Shah pour être jugé ici en Iran par le peuple iranien. C'est un droit bien, bien démocratique de notre peuple de pouvoir juger un tel assassin de notre peuple qui a tué plus de 60 000 personnes, qui a fait blesser de plus de centaines de mille et qui a volé des fortunes iraniennes plus de 50 milliards de dollars. C'est une grande fortune pour un pays comme l'Iran. Et c'est notre droit de pouvoir juger cet assassin. Et c'est pour cela que les États-Unis doivent reconnaître à l'Iran le droit et rendre le Shah de l'Iran qui est à sa disposition maintenant. Et c'est dans cet ensemble de questions que la question des otages de l'ambassade sera réglée, pourra être réglée. Mr. Kiernery, thank you very much indeed. Je vous en prie, merci. Look, do you wanna film him while he's speaking with me and just film him? Il m'a laissé deux sur le fichier. سفارت امریکا 32 سال پیش یه همچی کارت تقلبی درست کرده بود. کارت تبریک عید ما این بوده. بعد یه کارت تقلبی اینطور درست کرده به نام حزب توده ایران که شما پرچم شوروی رو ببوسید و محترم بدارید. ما در 32 سال پیش نشون دادیم که این تقلب است. حالا ماویستا برداشتن همین کارت رو دو مرتبه تکرار کردن. همین دو هفته پیش دو مرتبه چاپ کردن. به عنوان اینکه